Madame, monsieur, bonjour, merci de votre fidélité. Seconde émission de cette série que nous consacrons à la solidarité dans la tradition islamique. Et ce matin, nous allons évoquer un cas concret, à savoir une organisation non gouvernementale à dimension internationale, le Secours islamique. De France et avec deux invités. Tariq Obrou, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand imam de Bordeaux et vous êtes un théologien. À côté de vous, Rachid Ahlou, bonjour. Bonjour. Vous êtes président fondateur du Secours islamique de France. Et nous allons voir tout de suite le document qui nous a été préparé par Roberto Ligonès qui nous restitue la genèse et l'histoire du Secours islamique de France. Regardez. Aujourd'hui, la solidarité. Ça n'est pas une option, ça ne peut pas être une variable d'ajustement. Ça doit être, encore une fois, ce qui guide nos politiques publiques parce que sans solidarité, il n'y a pas de liberté. Mais surtout, sans solidarité, la paix n'est pas envisageable. Le mot solidarité, tel est le moteur de l'action du Secours islamique France. L'histoire de cette ONG débute en 1992 à Saint-Denis, dans un petit local où il y avait à peine de quoi installer une cuisine pour offrir un minimum de nourriture aux pauvres. Ensuite, une épicerie solidaire a été créée et plus tard, lors du ramadan, la distribution de repas aux plus démunis a été organisée. Mais rapidement, l'action solidaire du Secours islamique s'exporte au-delà des frontières de la France. En 1992, lorsque la guerre en Bosnie éclate, le Secours islamique France déploie son premier convoi humanitaire. Désormais, l'ONG sera présente dans les grands conflits mondiaux. Kosovo, Rwanda, Darfour, Liban. Les bénévoles du Secours islamique apportent une aide inconditionnelle dans la lutte contre la pauvreté et pour soulager la souffrance partout dans le monde. L'accès à l'eau potable, les projets d'assainissement et d'hygiène sont les priorités des populations les plus vulnérables. Sécurité alimentaire, protection de l'enfance, victimes des guerres, catastrophes naturelles, le Secours islamique France déploie ses actions dans une vingtaine de pays dans le monde. Bien que le Secours islamique France s'inspire du principe de solidarité prôné par l'islam, son action humanitaire a une portée universelle. Vous avez fait fleurir de nombreux projets dans le domaine de l'enfance, qui me particulièrement à cœur, dans le domaine de la sécurité alimentaire, de l'eau et de l'assainissement, parmi d'autres champs d'action. Cinq ans après sa création, le Secours islamique a obtenu la reconnaissance des pouvoirs publics pour son action en France et dans le monde. Aujourd'hui plus que jamais, l'ONG continue ses activités afin d'aider à soulager les souffrances des populations. Rachid, qu'est-ce que vous pensez d'abord de ce document Est-ce qu'il reflète justement ce que vous êtes On a commencé il y a 29 ans maintenant, on va fêter les 30 ans bientôt de notre organisation. – Par rapport aux autres, elle reste toujours une jeune organisation. Vous savez que nous avons commencé dans des, dans des conditions très difficiles, 1991, 92 et, et les années qui l'ont suivi, des crises qui se sont succédées en France et ailleurs et qui nous ont impacté parfois négativement. Mais nous avons, bien sûr, nous croyons à, à, so, à cette solidarité, nous croyons à ce partage, à cette générosité et donc nous avons travaillé d'une manière peut-être plus que, que d'autres organisations, pour avoir notre place, pour pouvoir apporter cette aide, pour pouvoir soulager la souffrance des personnes en difficulté, en France également et dans le monde. Pourquoi en France Parce que vous savez, la misère, aujourd'hui en France, elle est, elle est de plus en plus importante, malheureusement. Même si on travaille, on peut être vulnérable. Même si on a un emploi, on peut être euh, en, en difficulté. Et donc, euh, on essaye avec les autres ONG d'allumer quelques bougies d'espoir parce que c'est ça notre rôle, c'est ça ma fierté aujourd'hui, hier euh, c'était mes débuts, je ne savais pas où on va y aller euh, on avait un deal parmi, euh, dans les 30 mètres carrés de, ce, de la plaine Saint-Denis c'est de, de devenir après 20 ans parmi les, les 10 grandes organisations françaises, parce que nous avons nous, nous aussi les musulmans pas seulement à consommer euh, des biens de la société mais également à participer dans l'élan de générosité, celui de la France, ce mouvement de, de, de solidarité de la France. Nous inscrivons dans ces, ces valeurs-là. Tariq Oubrou, est-ce que ce que vous avez vu avec nous, pour vous, est une concrétisation de ce principe fondateur de l'islam, à la fois la solidarité, mais aussi euh, être solidaire des autres Oui, ce que nous venons de voir, c'est l'incarnation même de cette spiritualité au service de l'universel, à travers le don et la solidarité. La misère frappe en France et frappe ailleurs. Et la misère qui frappe ailleurs risque de se répercuter sur nos sociétés occidentales. Il y a une mondialisation de l'économie, il y a également une mondialisation de, de la misère. Donc, euh, je pense que le, le secours islamique est, est un bras solidaire de la France dans le monde, d'une certaine manière. À cet égard-là, le secours islamique euh, traduit une forme de citoyenneté à la musulmane au service... De l'image également de l'islam dans le monde, à partir de la générosité spécifique, celle de la solidarité musulmane. Rachid, allô, euh, Le secours islamique est intimement lié à votre propre histoire. Euh, et le fait de l'appeler secours islamique de France n'est pas neutre. Quelle est l'origine de cette appellation et comment vous l'expliquez C'est venu vraiment d'une manière spontanée, et sans calcul, parce qu'en France, on a le secours catholique. C'est comme ça que j'ai pensé au départ. Pourquoi pas le secours islamique est-ce qu'aujourd'hui j'aurais fait la même chose Je ne pense pas. Parce que le mot islamique, malheureusement, a, a été euh, expliqué différemment par rapport à, au, au dictionnaire de 1991. Ce n'est pas la même définition de, de, du mot islamique. Mais euh, je pense qu'on est dans une société où on a besoin de visibilité. Les musulmans de France ont besoin également de, de démontrer qu'ils sont des éléments positifs. Ce sont des ambassadeurs de notre pays dans tous les domaines. Là, on parle de la solidarité, mais pas que. Ce sont des gens, ce sont des citoyens français avec, euh, avec un apport culturel différent, mais qui peuvent être des ambassadeurs dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la recherche. Et on en voit aujourd'hui énormément, mais également dans le domaine de la solidarité. Ce n'était pas aussi facile que cela pourrait être accepté, mais aujourd'hui, nous faisons partie euh, de, du tissu humanitaire français, en France et dans le monde. Et c'est avec fierté. Euh, que, que je porte ça, vous savez que je suis également, j'occupe, je suis le vice-président de, de la plateforme des organisations humanitaires françaises, à savoir Coordination Sud, et ça, ça démontre tout simplement la place que le secours islamique a eue euh, dans le tissu humanitaire français. Euh, Roublou, on revient toujours à la question de la source, à savoir la zakat, la solidarité, la fraternité, la justice. D'abord, il y a des convictions religieuses, mais il y a également l'énergie de la foi. Euh, qui prend forme dans une organisation. Donc on peut être totalement euh, musulman, euh, rempli de spiritualité, et en pleinement dans la modernité, en s'attaquant de manière intelligente aux nouvelles formes de la misère. Je pense que le secours islamique incarne le mieux cet, cet aspect-là. C'est une solidarité organisée, rationalisée, parce que c'est bien de faire le bien, encore faudrait-il le faire bien. Et donc comment le faire bien Il faut L'institutionnaliser, avoir des mécanismes techniques pour que le, que, que le don euh, soit efficace, non seulement en termes en terme économiques, mais en termes également euh, moraux. Il ne faut pas que le don offense le bénéficiaire. Donc il y a une esthétique du don, il y a une manière de donner, il y a également la discrétion dans le don, mmh. l'anonymat du donateur, etc., etc., donc c'est une visibilité dans la discrétion. On voit le don, mais on ne voit pas le donateur. Et à cet égard, l isla, l isla, la solidarité incarnée par le secours, secours islamique est une incarnation d'une théologie de la discrétion agissante. Parce que la solidarité, généralement, les donateurs, on ne les connaît pas, mais on voit les réalisations. Achille Lallou, euh, quelles sont les difficultés auxquelles vous vous êtes heurté depuis le début vous savez qu'on est, qu est né en 1991, c'était dans des pays limitrophes des événements dramatiques qui se sont produits. Puis il y a, je pense, un mélange malheureux chez certains euh, journalistes de mélanger tout euh, l'islam, euh, le financement du terrorisme. On a commencé dès maintenant, en 1991, on avait commencé à parler de financement, etc. Et sans vraiment regarder de près ce que font les organisations, certains journalistes, heureusement, c'est qu'une minorité. Mais avec le temps, on a pu remonter toutes ces difficultés par le travail. Le travail, peut-être on a doublé le travail par rapport à d'autres, par une communication claire et nette. Aujourd'hui, nous sommes une organisation qui est reconnue et, et qui, a, qui bénéficie d'un label qui n'est pas donné à tout le monde, le don en confiance, et qui, qui donne la confiance aux donateurs pour donner à cette organisation. Vous savez, aujourd'hui, je, je ne regarde que le positif. J'ai oublié les souffrances. Parce que quand je regarde dans les yeux d'un orphelin, que j'ai pu euh, ramener aujourd'hui, qu'il devient adulte, universitaire. Hier, j'ai visité euh, les territoires palestiniens, je dis il y a un an, et j'ai rencontré une orpheline que j'ai vue il y a plus de 15 ans. Elle est sortie lauréate de sa, de son, de son facu, de sa faculté. Et elle est devenue un élément aujourd'hui très positif dans le développement de son pays. C'est une fierté. Je, ça me fait oublier toutes les souffrances. Mais c'est encore plus important quand on est musulman en France, dans un pays laïque. Euh, que je, que, je, que je remercie infiniment parce que ça m'a permis de développer, de développer autrement l'action humanitaire et d'interpeller en continu notre, notre religion sur la solidarité. Marie est-ce que le concept de solidarité aujourd'hui est devenu quelque chose qui va au-delà des appartenances religieuses et au-delà des sensibilités spirituelles et religieuses Je reviens à cette théologie de l'altérité, cette éthique de l'altérité incarnée à travers l'acte solidaire. On peut dire qu'il y a une euh, éthique politique de la pratique de la solidarité, mais il n'y a pas une politique musulmane de la solidarité. Cette dernière laisserait entendre qu'il y aurait une tentative d'islamisation de la société par le social. Il s'agit tout simplement d'une doctrine sociale équivalente à celle de l'Église qui respecte la séparation des ordres et la laïcité. Il ne s'agit aucunement de le don, qui est par nature gratuit de le mélanger avec le prosélytisme et un don euh, qui est conditionné, qu on, qu on trouve ça dans certaines, certaines actions humanitaires, où l'humanitaire se mélange avec le prosélytisme, avec des, des engagements politiques, etc. Il ne faut pas que le social soit au service d'une idéologie ni d'une politique euh, politicienne. Donc il faut faire une séparation des ordres. Le, 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 la solidarité doit se démarquer par à part à toute instrumentalisation idéologique et, et, et politique. Et à cet égard-là, il faut respecter la séparation des ordres, c'est-à-dire la laïcité. Notre équipe, avec le réalisateur Roberto Lugones, est partie pour suivre une marode de bénévoles du Secours islamique. Regardez avec nous. Oui, bonsoir. C'est Asma du Secours islamique. Alors, on va pas tarder à commencer notre maraude et je voulais savoir si vous avez des signalements. Euh, donc, on est sur le territoire de Saint-Ouen, Saint-Denis et Aubervilliers. D'accord. Euh, tu sais combien de sacs de couchage ou pas Cinq personnes. Le secours de islamique qui est accrédité avec le 115 et du coup, on a appelé le numéro 115 de la Seine-Saint-Denis et euh, on regarde si on a des signalements sur les territoires où on va aller, donc Saint-Denis, Saint-Ouen et Aubervilliers. Bon, allez, c'est parti. Mmh. Mmh. C'est parti. Oh, bon, C'est parti merci Du coup, en fait au fort d'aubervilliers on va voir euh, Habib qui euh, est dans sa voiture depuis euh, une dizaine d'années. Euh, et du coup on a aussi d'autres personnes dans leur voiture et du coup on va voir euh, s'ils ont besoin de quelque chose, euh, couverture ou autre. Ah ouais Ça va Ça va La dépression agréable à voir. Désolé, on t'a réveillé Non, du, euh, tout, du tout. Et t'as maigri un peu Oui, euh, pourquoi ah, moi, Parce je que... Euh, parlé, euh, avec l'âge, il faut diminuer sa, Diminuer ça. votre dose de, de nourriture avant qu'elle ne vous diminue. Ah ouais, mais t'as besoin de rien, t'es sûr Non, sans pas ça. L'objectif premier avec Habib, c'est justement de garder un lien social et justement de lui permettre de se dire qu'il y a encore des personnes qui sont là pour l'appuyer. Ah oui, 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 oui. oui. De... C'est leur présence, c'est une, une force qui me donne. C'est un soutien infaillible qui m'encourage à ne pas lâcher. À bientôt, dors bien. Okay, merci Et puis beaucoup. à la prochaine. prochaine oui. D'accord Chaque histoire est, est vraiment euh, hyper touchante. Et c'est vrai que c'est difficile parfois de rentrer chez soi ensuite. Parce qu'on aimerait les aider, on se dit qu'on va les laisser euh, ici. Chez nous, c'est hyper important d'être proche des gens, de donner de son temps, et c'est vrai que c'est une des valeurs les plus importantes de l'islam. Et c'est vrai que j'ai baigné dans cette éducation. Euh, bon, après, je pense que c'est pas qu'une part de religion, hein. c'est aussi une empathie envers les gens et de se dire, euh, on peut un jour se retrouver dans la même situation. Mais c'est sûr que ma foi aujourd'hui euh, est importante dans mes actions. Bonsoir, madame. C'est Asma. Oh, coucou C'est une fille ou un garçon C'est une fille. Elle est trop mignonne. Alors du coup ça fait combien de temps là que tu es là ça, va, ça fait plus d'une semaine. Une semaine, hein. une semaine Et tu es toujours ici Non, j'ai tout... Là où le soir il me trouve, je reste là. là je... euh, T'étais où enfin, Avant, étais... il y a une semaine, tu où Ah j'ai découvert une autre réalité. La, la première fois que j'ai fait de Maro je pense que ça m'a mis une vraie claque. C'est pas un, un engagement vis-à-vis d'islam parce que sinon voilà, on aurait vu peut-être que des musulmans, mais là on, on voit toutes sortes de personnes en fait. Donc c'est vraiment un engagement pour l'être humain en fait. Le 115, ils n'ont pas réussi à trouver un hébergement. Ouais, ils m'ont dit là, ils nous ont dit que ce soir, ils n'avaient pas de place malheureusement. Ouais. Là, hop. Alors, ça c'est la couverture Je me dis qu'il vaut mieux ça que rien du tout. Là au moins, ça lui a apporté un peu d'espoir. Elle se dit qu'il y a quand même des gens qui sont là pour moi. Souvent, on nous dit merci. Après, je trouve qu'ils ont tellement beau. de force, ces gens-là, que du coup, moi, je ne peux pas pleurer alors que ce soir, je vais rentrer chez moi, il fait chaud, etc. Il faut que je garde la tête froide, en fait. C'est-à-dire qu'eux, ils ont tellement rien, et pourtant, ils sont dignes, ils ont de la force, etc. Je ne peux pas, moi, euh, baisser les bras. Achille, le jour, vous voit très, très ému en regardant ces images. Vous savez, on ne peut pas rester insensible à cette image de cette femme-là. Avec son bébé qui, ne, qui dort dans la rue. Sauf, sauf si on n'est pas des êtres humains. Au-delà de toute euh, croyance. Moi, généralement, quand je, je fais des maraudes, et que je tourne et que je trouve une, une personne assez âgée, je vois en, en cette personne ma mère, mon frère, mes enfants. Et c'est pour cela que je me suis engagé aujourd'hui avec mes équipes pour essayer d'acquérir le maximum de biens qu'on puisse avoir avec les dents qu'on puisse récolter afin de, de participer à cet élan de générosité sur la question du logement, logement social. C'est très difficile de supporter euh, une personne à minuit à moins de 10 degrés, dormant dans la rue, sur un banc, sur un carton, la pluie et tout ça. C'est insupportable dans un pays qui, a, qui est quand même très riche. Je ne vous dis pas à l'étranger où des gens n'ont rien. Je suis en train de parler de la France. Les Marottes, c'est en France. En Île-de-France, et je, voulais, je voudrais quand même remercier les milliers de, le millier de, de, de nos bénévoles de l'Île-de-France, parce que c'est eux qui, qui assurent ces marottes et d'autres programmes pour les, les tables du Ramadan, un mois où on, distribue, on a distribué plus de 50 000 repas, dont la moitié étaient non jeuneurs, je suppose non musulmans, l'épicerie solidaire qui essaye dans la dignité d'apporter de, de l'aide aux personnes en difficulté, et, de, et puis les, les accueils. On a des accueils qui accueillent les femmes solidaires, malheureusement, en solitude. Malheureusement, on n'a pas de, assez de place. On, vient de, on va ouvrir lundi prochain un nouveau centre qui va accueillir 90 femmes. On a privilégié les femmes. Et je vous remercie parce qu'à travers vous, nos donateurs vont, vont pouvoir voir un petit peu le fruit de, de leurs dents, de ce qu'ils nous apportent au quotidien. Vous savez, le mois de Ramadan... J'ai jamais vu autant de générosité de nos donateurs qui nous apportent tous les jours. On n'avait même pas besoin d'acheter quoi que ce soit, tellement tous les jours. Des voitures, des personnes, sac à main ou sac à dos, qui viennent nous apporter des dettes. Merci. Arikoubou, quelle est votre réaction euh, après avoir vu ces images, euh, à la fois de l'émotionnel, mais aussi du travail concret Oui, là, là, on voit un, un cas euh, concret de la misère qui, qui frappe euh, notre société. pourtant… Euh, euh, prospère et donc la, la misère n'est pas très loin de nous. Euh, comment anticiper L'État aujourd'hui ne peut plus répondre à tous les aspects de, de la misère et je pense que euh, nous devons tous nous mobiliser pour euh, intégrer cet aspect de, de la solidarité au niveau individuel, mais également au niveau de d'institutions euh, telles que celle de, de, du Cif. Euh, C'est incompréhensible de, de, de voir euh, inacceptable de voir une femme avec son bébé dormir dehors. C'est presque incroyable. Je, 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 je le découvre là dans l'émission. Dans c'est très, très touchant, c'est très choquant en même temps. Et je pense que les musulmans peuvent être également un plus pour notre société française. Il y a un gisement de générosité dans cette communauté qui n'est pas mis en relief. Je pense que, j'espère que le secours islamique sera capable de faire jaillir cette, cette source de générosité chez les musulmans pour combattre efficacement et participer en tout cas au bien commun en combattant euh, la misère qui, qui frappe euh, nos concitoyens, quelle que soit leur religion d'ailleurs. Votre organisation s'intitule Secours islamique de France. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, Lorsqu'on évoque le mot islamique, vous l'avez rappelé tout à l'heure, eh bien, immédiatement, il y a la suspicion, il y a le doute. Comment vous, vous affrontez ce type de représentation et comment vous êtes financé Alors, tout d'abord, on commence par le financement que vous venez d'évoquer. Nous sommes financés à 100% par les don des donateurs français. On ne reçoit aucun don de l'étranger. Je parle de particuliers ou d'États étrangers. Mais nous sommes financés à 70% par les donateurs français, musulmans ou non-musulmans. Et à 30 par euh, l'État français, par les organisations unisiennes, par euh, l'Union européenne. Voilà un petit peu, c'est ça le financement du CIF. Mais aucun don ne nous vient, pour l'instant, du Moyen-Orient, parce que rien ne l'interdise. Euh, en quelque sorte, si des, <laughs> des généreux donateurs veulent venir au secours euh, des personnes en difficulté, ils sont, ils sont les bienvenus. Il euh, n'y a rien qui, qui interdit ça. Mais pour l'instant, pour vous dire. Euh, et depuis 30 ans d'ailleurs. Par contre, la générosité euh, des musulmans de France et d'autres est euh, très très importante donc je pense que nous c'est pas le problème qui, qui se pose pour le CIF c'est l'utilisation qu'on va faire de l'argent c'est surtout est-ce qu'on va être à la hauteur de la mission est-ce qu'on va être fidèle à ce que nous avait mandaté le donateur c'est ça ma honte ma c'est ça mon problème c'est que j'utilise de la meilleure façon le don qui m'est qui confié et que j'ai les moyens les équipes et les programmes qui répondent efficacement aux besoins des, des, des bénéficiaires. Tariq Obrou, l'homme de foi que vous êtes, l'imam que vous êtes, euh, avez-vous euh, le sentiment d'avoir un rôle à jouer dans la sensibilisation des croyants et même des non-croyants pour plus de solidarité Je crois, en tant que croyant, que la solidarité est consubstantielle à la fois. C'est inenvisageable euh, une, une foi émancipée sans le partage. La dimension de la solidarité traverse presque toute ma pensée théologique et mon travail sur l'éthique musulmane et la question de l'altérité, qui est une notion très chère et très importante dans la tradition musulmane. Rachid Ahlou, en tant que président de, du, du Secours islamique de France, est-ce qu'il y a une solidarité d'abord entre les grandes organisations, les ONG, pour promouvoir ces solidarités Comment ça fonctionne ben, je, je pense que oui, d'abord, pour répondre simple. Euh, nous, avons des, nous avons des plateformes, ce qu'on appelle des plateformes des organisations humanitaires. La plus importante, c'est Coordination Sud, et qui fait du plaidoyer et qui se bat pour les personnes en difficulté en France et à l'international. On a également des syndicats, France Générosité, qui défend également la, question, la notion du don, euh, parce que parfois, on peut être associé euh, à... à je ne sais pas, la question de l'impôt, euh, vous savez qu'il qu qu y a des déductions qui se font et on est toujours vigilant que ça ne soit pas touché euh, par Bercy. Nous sommes toujours vigilants sur cela. Et également, nous nous battons, euh, euh, mais d'une manière, je dirais, constructive auprès de notre gouvernement. C'est-à-dire, le dialogue avec notre gouvernement, à travers Coordination Sud, est un dialogue, je dirais, de, de constructif euh, avec l'AFD, avec le centre de crise, pour augmenter... Justement, les budgets de solidarité, la France, elle est généreuse, mais elle n'est pas la meilleure classée parmi les pays de l'OCDE, mais nous essayons et on a, nous avons des réponses euh, positives dans ce sens-là, euh, parce qu'il y, y, y a des augmentations en vue. Il y a eu déjà des augmentations euh, de la participation de l'État dans, dans la solidarité en France et à l'international. Donc ça fait partie, les, les ONG sont, sont vraiment, on la main dans la main pour cela, euh, pour qu'on puisse apporter de plus, plus les dons privés, les dons publics. Comment vous, euh, vous faites pour avoir les dons Est-ce que vous faites des campagnes de souscription Est-ce que vous demandez des subventions Comment justement les subventions, les subventions vous viennent Alors d'abord, pour, pour le, la question du CIF, on a des campagnes toute l'année, des occasions religieuses ou non religieuses. C'est-à-dire, le, le mois de Ramadan, c'est un mois de générosité par excellence. Donc nous, nous utilisons ce, ce, ce mois-là pour sensibiliser et demander à nos, à nos donateurs de, de répondre positivement, d'autres campagnes dans l'année, mais il y a des campagnes qui sont liées à des catastrophes. Vous avez un trouble de terre qui, qui arrive dans un pays, donc nous allons euh, se mettre euh, en urgence. D'abord, on a deux urgences, l'urgence de la collecte, mais les équipes qui vont partir sur le terrain dans les 24 heures, avant de collecter, pour être auprès des gens qui sont en difficulté, euh, pour leur apporter de l'aide. Et puis, y a, y a, vous savez, il y a les guerres. Euh, je, je parle de, de, du conflit en Syrie. Euh, nous sommes parmi les, les leaders dans, dans, à l'intérieur de, 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 de la Syrie, euh, de, même avant, avant le début de, des événements. Et c'est les Nations Unies qui nous financent pratiquement à 99% euh, pour euh, venir aux personnes déplacées en interne. Parce qu'on parle généralement... Des réfugiés, 5 millions de réfugiés, on en a en plus maintenant avec la crise d'Idlib, mais il y a plus de 8 millions de déplacés internes. Et qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là On va réhabiliter des écoles, on va réhabiliter des logements, on va ramener de l'eau, on va essayer de scolariser les enfants. Donc il y a énormément de programmes, on va distribuer de la nourriture, on va distribuer euh, des de, 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 de kits d'hygiène. Donc, voilà un petit peu ce qui se passe au niveau de ça. Et vous savez, pour les projets de développement, malheureusement, pour toutes les ONG, ce n'est pas, pas les, ces programmes-là qui, qui ramènent beaucoup de dons. Et, mais nous essayons, à travers Sadak al cest c'est-à-dire un don continu, le Fonds Général, de financer des programmes. Qui ne sont pas les crises qui sont méconnues ou qui sont oubliées, surtout la pauvreté. Vous savez, l'Afrique du Sahel, aujourd'hui, euh, en plus de, de, de la pauvreté, en plus parfois de la sécheresse, on a également des actions terroristes, on a également des actions euh, de, 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 de guérilla. Et ça, ça augmente encore euh, la difficulté des personnes. Et nous essayons d'apporter, en plus des projets de développement, de l'aide euh, d'urgence à ces populations. Tarek la foi. Est aussi une entrée pour la citoyenneté. Est-ce que ce concept, est-ce que cette dimension citoyenne est aujourd'hui indiscutablement non dissociable de la générosité, de l'aide et de la solidarité euh, La foi est au service de transcendance, mais également au service de la nation, au service du, du citoyen, au service de l'homme, tout simplement. Si on a une bonne interprétation de sa religion, on ne peut qu'être un élément de de réconciliation, d'apaisement et de solidarité. C'est une question d'interprétation et de mise en pratique. Je pense que le travail du secours islamique euh, euh, incarne admirablement cette tension vers la transcendance et en même temps être au service des hommes. Et je pense que c'est ça le secret de toute une religion qui se respecte, Un tendre vers l'absolu et être au service de, 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 des hommes tout simplement. Merci infiniment de nous avoir euh, informés sur... Euh à la fois la solidarité mais aussi sur cette organisation qui est humanitaire sur le terrain. De vous Rachid Lahlo, entretien avec Nathalie Dolé, un humanitaire musulman dans la République avec une pré préface de René Broman aux éditions Atelier Henri Dougier. Tari Khouglou, c'est votre dernier ouvrage qui a été publié il y a quelques mois, Appel à la réconciliation foi musulmane et valeurs de la République française aux éditions Plon, Les grands thèmes du Coran, classement thématique établie par Jean-Luc Monneret, préface du docteur Dalib Obaker, euh, l'ancien recteur de la Grande Mosquée de Paris, aux éditions dervy La chaire de l'IMA, de l'Institut du Monde Arabe, il y a quelques années avait consacré euh, sa thématique sur la cité vertueuse d'Al-Farabi, euh, de Mohsin Mahdi, la fondation de la philosophie politique en islam, aux éditions Bibliothèque Alba Michel. Et ce euh, fascicule, cette brochure, projet associatif, plan stratégique, 2017-2021 de cette organisation qui est la Vôtre, Secours Islamique de France. Merci infiniment, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous dimanche prochain. Vous pouvez revoir votre émission sur le site France.tv, la page Les Chemins de la foi. Quant à moi, je vous souhaite un très très bon dimanche, excellente semaine. À très bientôt sur France 2. Au revoir. <music>